Vraiment nos chefs d'État. Et quand les chefs d'État sont à la tête de nos pays, et ils prêchent pour être à la tête de nos pays, et que nous sortons, laissez-nous régler nos problèmes entre nous. Sinon, aidez-nous à communiquer. N'attendez pas 4 ans après, comme l'a fait Manuel Valls, pour nous dire que Ali Bongo n'a pas été élu par le peuple gabonais. Le 10 avril prochain, Idriss Déby va se présenter pour la 5e fois à la tête du Tchad. Il va gagner. Et bien évidemment, Madame Union Européenne va nous sortir un rapport pour nous dire que les élections se sont passées normalement, sans entrave au Tchad. Vive le roi Sultan Idriss Déby, élu encore pour 5 ans. Il en aura pour 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut? On ne veut rien. On ne veut que l'alternance. On veut que le boulot. Et pour que tout ceci puisse se réaliser dans nos pays, pour qu'on ne puisse pas être encore des réfugiés, des immigrés, des sans-emploi, des gens qui enlèvent, qui prennent l'argent des contribuables français. On veut juste rentrer dans nos pays, dans la démocratie. On veut juste instaurer ça dans nos pays. Et pour ça, relayez l'information en disant « Idriss Déby Barra !» Idriss Déby Barra, Barra ! Idriss Déby Barra ! Idriss Déby Barra, Barra ! Non à la complaisance d'un grand groupe avec les dictateurs en Afrique ! Non à Bolloré au Gabon ! Non à Bolloré au Cameroun ! Arrêtez de piller le Niger ! Nous voulons juste dormir au Tchad ! Parce que beaucoup de Français ici ne connaissent pas ce que Hollande et son groupe de commerçants partent négocier à l'étranger, c'est-à-dire les rafales, la vente des rafales. Beaucoup ici n'ont pas vu les rafales. Mais nous, au Tchad, nous sommes réveillés tous les jours à 7h du matin. À 7h du matin, par le décollage des rafales français. Les rafales sont fabriquées ici, mais sont testées au Tchad. Et ça, c'est pas dans le désert tchadien, parce que le Tchad fait 2,5 fois la France en termes de dimension. Et la moitié du territoire tchadien est désertique. Les rafales ne s'entraînent pas dans le désert, mais s'entraînent dans la capitale tchadienne. S'entraînent à N'Djamena. Tous les jours à 7h du matin, nous sommes réveillés par le bruit des rafales. On n'a pas besoin de réveil au Tchad, parce qu'on a déjà les rafales pour nous réveiller au Tchad.